Gabriel pour l'Enduro World Series. Quel BG. Je suis en train de faire un wheeling. Au début, quand j'ai vu que y avait une Coupe du Monde à Loudenvielle, je me suis dit pourquoi pas y aller et tout. Je suis allé au championnat de France l'année dernière. C'était ici et les pistes étaient vraiment super et tout. L'ambiance aussi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer la Coupe du Monde quoi. Et je me suis inscrit du coup. Et voilà, je me sens bien. Il fait beau, donc j'espère que ça va rester comme ça quoi. Et puis on verra bien. Maintenant on est là. Et demain c'est première journée avec des recos. Et puis samedi ça sera la course. Donc voilà, hâte d'aller sur le vélo et puis pouvoir descendre la montagne à pleine balle. L'année dernière, mais c'est quand même c'est un peu humide, donc ça glisse pas mal. Spécial, un peu glissant au début de journée, mais cet après-midi c'est un peu séché. J'espère que ça va se tenir comme ça parce que il y a l'air d'avoir des nuages assez foncés qui arrivent, des nuages de pluie, donc on va espérer pas trop de pluie pour demain et ça devrait aller quoi. Déjà rester sur le vélo et puis après le temps on verra bien et puis prendre du plaisir quoi. Yes. On colle un petit peu la montée et puis
là c'est la première spéciale. Voilà. Let's go. C'est pas la spéciale plus physique, mais en course c'est quand même plus physique. Top 15 pour l'instant, on va essayer d'aller chercher un top 10, pourquoi pas. Il y a 3 spéciales de ce côté là et donc une qu'on a déjà faite ce matin, on va essayer d'envoyer. Bah ça va, une journée sans chute. Donc, le vélo, bah, je viens juste de dérailler juste à la fin là. Ah. Il y a 2 spéciales, j'ai déraillé à la fin, mais c'est bizarre, j'avais pas besoin de pédaler à la fin. C'était des parties où il fallait juste lâcher les freins. Donc ça va, j'ai pas perdu de temps. Et sinon, j'ai assuré dans toutes les spéciales. J'ai pas pris trop de risques non plus pour aller à la faute et puis...